Robert Juruc, bonjour, vous êtes directeur des Masters et des MBA de l'INSEEC. Alors, première question, à quel niveau vous recrutez vos étudiants pour les Masters et les MBA de l'INSEEC? Alors, on recrute nos étudiants à deux niveaux. Premier niveau, après un bac plus 3 donc, ou un bachelor. Et un second niveau, après un bac plus 4 ou un bac plus 5, en master 2. Donc, deux niveaux d'intégration, le master 1 après bac plus 3 et le master 2 après bac plus 4 ou bac plus 5, selon les spécialités. Alors, des masters et des MBA, il y en a beaucoup. Des écoles de commerce à Bordeaux, il y en a un certain nombre. Qu'est-ce qui différencie les formations de l'INSEEC d'autres formations? Quelle est leur spécificité? Alors, ce qui est intéressant sur l'INSEEC, c'est que certes, les masters sont à Bordeaux, bien évidemment, mais ils sont aussi à Paris, ils sont aussi à Lyon, ils sont aussi à Monaco, à Londres et à Chicago. Nous ouvrons cette année en plus le site de San Francisco. Donc, globalement, nous avons une offre donc, qui est globale, qui est mondiale et qui est relativement multiforme, puisque nous avons aujourd'hui près de 39 programmes et à peu près 150 masters et MBA dans le monde en même temps, qui permettent d'avoir une vision relativement globale et mondiale. On va dire que sur un cursus moyen de 2 ans, on peut faire combien de villes? Alors, sur un cursus moyen de 2 ans, on peut faire une ville, bien sûr, 2 villes, jusqu'à 3 villes pendant ces 2 ans, hein, ce qui permet de faire un premier semestre, par exemple, à Bordeaux, un second à Monaco, un troisième semestre à Chicago, et puis revenir, par exemple, à Bordeaux, ou aller à Paris, éventuellement, derrière. Donc, capacité à pouvoir switcher hein, entre les différentes villes, et donc avoir une carrière internationale. On a parlé d'offres de formation assez importantes, hein, mais il y a aussi le relationnel important avec les entreprises. Vous avez organisé à Bordeaux récemment une grosse réunion, un speed dating pour les jobs. Gros tissu relationnel, donc gros réseau pour trouver du boulot. Alors ça c'est vraiment le point fort de l'école. Hein. C'est-à-dire qu'on a organisé il y a à peu près 3 semaines, donc c'était le 7 novembre, un forum entreprise où il y avait 200 entreprises sur Bordeaux, mais il y en avait 200 sur Paris aussi, il y en avait 100 sur Lyon et il y en avait 100 sur Londres. Donc on avait pratiquement 600 entreprises présentes, ce qui fait de nous vraiment clairement la première école de commerce au niveau de relationnel entreprise, hein, ce qui est quelque chose de très très important en termes de volume, de quantité et de qualité. Alors l'organisation c'était un speed dating où chaque étudiant pouvait faire 20, 30, 40 entretiens avec des entreprises de taille nationale, de taille mondiale, de taille aussi parfois régionale, c'est ça qui est intéressant. Et donc pouvoir trouver son stage et son job. Il y a eu à peu près, pendant cette semaine, en fait c'était pas juste une journée, c'était une business week, hein, ça a duré quasiment la semaine, il y a eu pratiquement 1500 stagiaires qui ont trouvé, étudiants donc, qui ont trouvé un stage pendant cette semaine-là. Ce qu'on peut préciser aussi, et ça c'est important, c'est que vous êtes situé dans le cœur de Bordeaux, hein, ce qu'on appelle le campus des Chartrons, sur les quais, dans un OH18, hein, un très bel endroit. Alors on est sur Bordeaux, alors OH18, OH19, OH16 et aussi dans pas mal d'autres sites. C'est la même chose sur Paris, on est dans le 16e arrondissement, dans le 10e arrondissement. Sur Londres, on est à 2 minutes de Piccadilly, donc en plein centre de Londres. Sur Monaco, vous allez me dire c'est pas très compliqué d'être dans le centre de Monaco, mais on est dans le centre de Monaco puisque ça fait 1 km². Et la même chose sur Lyon, on est dans l'hypercentre lyonnais. Donc forcément toujours une stratégie de campus urbain qui permet d'être au contact des entreprises, des étudiants et puis de la vie aussi locale. Est-ce que vous proposez toutes ces formations en apprentissage ou en alternance? Alors, bien sûr, toutes les formations, c'est ça aussi notre point fort, hein, sont en alternance depuis le début. Hein, depuis près de 14 ans, nous faisons l'ensemble de nos formations en alternance, et ce qui permet aussi, bien évidemment, aux étudiants d'avoir de l'expérience et en même temps de pouvoir travailler à l'école et en entreprise. Merci.